parler des shoots là-dessus aussi. Ah, je suis pas. Pas trop mon truc. Quoi? Inceste? Ok, regardez. Légalisation. Légalisation des chocapic. Un an de lit. Ouais, d'accord. Bon, ben. En effet. De toute façon, en même temps, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un qui soit type de. Le même type de série que moi. Hein. Non, mais arrête de me transformer en tous les animaux de la terre. Hein. Tu regardes quoi? Hein? Regarde quoi? Gossip Girl, Clem, Glee. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde. Ah ouais, les gonzesses à 100%. Est-ce que tu regardes Gilmore Girls? Pardon? Gilmore Girls, tu regardes? Je connais même pas, tu vois. Ah non, bah toi, ça c'est une série de filles et que j'ai bouffé, tu vois, trois fois. Bon, c'est vraiment pour les filles. Avec ma mère, ma soeur. Non, avec mon ex. Elle m'a fait découvrir ça et j'ai kiffé. Y'a pas de honte, hein. Regarde, là, il parle bien d'inceste depuis tout à l'heure et tout va bien. Ah merde, j'oublie quand même. Il parle même de porter des robes alors. Ça me... Bah, je vois pas en quoi c'est un problème, hein. Je sais comment on fait. C'est vrai. C'est un tabou. Oh. Bah, tout le temps, ouais, les femmes n'ont pas le droit de porter de jeans et bah, les hommes, on n'a pas le droit de porter des robes. Voilà. Bah, si, nous les femmes, on a le droit de porter des jeans et aussi des robes. Voilà, assez légal. L'égalité des sexes, tout ça. Bah, oui. Non mais j'ai rien contre que tu portes une robe, non mais c'est contre ton, c'est pour ton image, hein. T'allais dire c'est contre nature, t'allais dire ça, je l'ai entendu dans ta voix. Bravo, c'est cute. Trop mal, quoi. Quoi? Le mec qui le prend trop mal, quoi. Bah t'es... Alors que je l'ai pas dit, tu vois. Et tu vois, papa, et après il venait dans ma chambre, il disait viens, on va chasser 100 billets et tout, et moi j'étais un peu triste. Le mec il a qu'une seule histoire en fait de son enfance. Toujours la même. Allez putain, petite boucle de merde. On a tu fais fuir mes vieux là. Je peux savoir pourquoi c'est parti sur chasser le sanglier. Ah mais c'est ça c'est mon papa hein, faut lui demander. Miam miam. Ah d'accord. C'est une coutume chez les nains? Non, en Bourgogne. On se nourrit comme on peut. Ah okay. D'accord. C'est pas drôle. J'ai failli mourir de faim plusieurs fois pendant l'hiver. Pardon. C'est pas drôle. C'est pas drôle et y'a Bob qui rigole aussi. Oui mais lui c'est un bolos. C'est différent. C'est vrai. Oh. Quel... de cette grenouille. À ta place, Bob, j'aurais pas aimé, hein. Ah bah, ça tombe bien. Moi, je te fais rappeler. Place, de... Moi, je m'en fous. Je te fais rappeler de Bjorn par Steve Shady, franchement, ça... Oh non... Je suis pacifique. Bah si, là, il galère avec le saut de... Putain, les oui, ou les singes, je sais plus ce qu'il faut faire. Mais la grenouille, quoi, le saut, quoi, s'il te plaît. T'es sur quoi, Sylvain? La fin de Cusco. Bah, ton avis? Laisse deviner. Ah, t'as pas fini Cusco encore? Ah, c'est le dernier monde. Ok, merde. Faut le streamer, ça. Déjà qu'il galère... Mais j'ai demandé qu'il streamait, y'a que Psy qui a dit qu'il streamait. Non, j'ai dit moi aussi. Non, il a dit, mais t'es... Ah, pardon. Bah, je t'ai... Ah, c'est... Mais à coup le pas, je t'ai pas entendu ou pas écouté. Les deux, je pense. T'as des pots avec la grenouille. Allez, redeviens Lama. C'était quand même un grand moment de... Je pense que ça mérite de voir la femme. Si, il galère tellement avec les... Il arrive même pas à passer une porte. La grenouille, ah oui. Bon, tant qu'il n'y a pas d'araignée, ça va, j'ai l'impression. Ah, c'est bon. Ah, mais les chapitres, ils vont vite dans le laboratoire.